parfois dans la Bible, il y a des histoires qui peuvent nous sembler extrêmement choquantes. Le passage qu'on va lire et étudier aujourd'hui fait partie de ces passages-là, et c'est peut-être même le pire passage de toute la Bible. En tout cas, moi, je pense que jusqu'ici, dans ce rôle qui a été le mien et qui consiste à enseigner la Bible, eh bien, je crois que je n'ai jamais été autant peiné, perturbé, affecté émotionnellement qu'en méditant sur le texte qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Alors, je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais peut-être pour vous avertir quand même. En fonction de votre parcours dans la vie, en fonction des blessures et des traumatismes que vous avez peut-être subis à certains moments de votre histoire, et en fonction des fardeaux et des cicatrices que vous portez encore aujourd'hui sur le plan physique, émotionnel ou spirituel, eh bien, l'histoire qu'on va lire dans un instant pourrait rouvrir des plaies et réveiller des douleurs. Et si c'est le cas, je ne voudrais pas que ça vous surprenne ou que ça vous effraie comme si vous arrivait quelque chose de bizarre. On est en fait, nous, en tant qu'êtres humains, on est des êtres sensibles. Et c'est normal d'être particulièrement sensible à certains sujets quand ces sujets nous touchent de près. Mais vous allez voir que l'histoire qu'on va lire ce matin, elle est si horrible. Elle est si horrible que tout le monde, en fait, devrait être profondément bouleversé par ce qui se passe dans le récit. C'est dur pour moi de penser qu'on puisse souffrir à l'écoute ou à la lecture de la Bible, des Saintes Écritures, mais parfois, c'est exactement l'effet que les Saintes Écritures doivent avoir sur nous. Il y a des passages de la Bible qui sont précisément destinés à nous fendre le cœur. Mais avant de lire le passage, j'aimerais qu'on se pose une question. Est-ce qu'on a l'impression que les gens à l'extérieur de la communauté des chrétiens, que les gens à l'intérieur de la communauté des chrétiens sont moins mauvais qu'à l'extérieur? Est-ce qu'on a l'impression globalement que les gens à l'intérieur de l'Église sont des bonnes personnes, comme on dit, tandis que les gens de l'extérieur, les gens du monde, sont plutôt des mauvaises personnes, ou du moins pas aussi bonnes que nous à l'intérieur? Je pose la question parce que parfois il nous arrive à nous, les personnes à l'intérieur de la communauté des chrétiens, de trouver qu'on est quand même plutôt pas mal. On n'est pas comme ces délinquants dehors, on n'est pas comme ces personnes complètement dévergondées, ou comme ces racailles, ou comme ces toxicomanes, ou comme ces islamistes, ou comme ces skinheads, ou comme ces politiciens menteurs, ou ces grands patrons corrompus. On n'est pas comme eux, nous. On n'est pas comme eux, parce que nous, on a un sens moral, on a une ligne de conduite, on a une discipline. Nous, on connaît la vérité, et on sait comment mener une bonne vie, non? Et il peut se développer en nous, individuellement, mais aussi collectivement, un sentiment de supériorité, un genre de suffisance qu'on pourrait appeler de l'arrogance spirituelle, où en fait on va s'auto-féliciter de la propreté apparente de notre vie comparée à celle des autres, bien sûr. Et où les échecs, les erreurs, les chutes deviennent tabous, et où petit à petit, à force d'employer des artifices pour minimiser, voire dissimuler le côté obscur de notre vie chrétienne, eh bien on commence à devenir insensible, voire même aveugle, à ce qu'il y a réellement dans notre cœur, et au mal dont on est réellement capable. Et peut-être même en bout de ligne au mal dont on est réellement coupable. Parallèlement à ça, il y a des gens qui peuvent arriver dans la communauté des chrétiens, et c'est peut-être votre cas aujourd'hui, peut-être que vous êtes là pour la première fois, ou que vous commencez juste à connaître des chrétiens, et à prendre part à la vie de l'Église, et à vous intéresser à la foi. Et bien, il y a des gens donc qui peuvent arriver dans la communauté des chrétiens, et qui peuvent avoir l'impression que le chrétien normal, c'est quelqu'un de supérieur. Il y a des gens qui arrivent en ayant eu un parcours difficile, qui sont peut-être encore en train de traverser des choses très compliquées, ou qui ont beaucoup, beaucoup de peine à surmonter certains obstacles, certaines épreuves, certaines tentations. Et en fait, ces gens-là peuvent avoir l'impression qu'ils ne sont pas du tout à leur place dans la communauté des chrétiens. Parce que les gens autour d'eux, on dirait bien que c'est tous des gens super réglos, des gens toujours joyeux, des gens moralement étincelants, des gens dont le pire péché depuis un mois, semble-t-il, a été de prêter ses codes Netflix à un copain. Et donc si le texte qu'on va lire dans un instant nous prend aux tripes et nous horrifie, c'est justement parce que ce passage veut éveiller ou réveiller notre sensibilité par rapport à des choses hideuses qu'il y a en nous et qu'on s'efforce d'ignorer, de minimiser ou de dissimuler. Un peu comme autrefois on faisait respirer du carbonate d'ammonium aux personnes qui s'évanouissaient pour agresser exprès leur sens de l'odorat et stimuler une réaction, et bien de la même façon ce passage est là pour nous secouer exprès émotionnellement, et pour stimuler en nous une réaction qui nous réveille et qui nous conduise en fin de compte à une vie plus authentique et plus conforme à ce que Dieu attend de nous. Et toute la leçon qu'on retiendra de ce texte finalement, c'est la suivante. Chrétiens et non-chrétiens ici-bas ont tous un cœur tortueux qui a désespérément besoin d'être gouverné par Jésus-Christ. On va lire le texte et pour bien comprendre ce qui se passe, j'aimerais simplement préciser qu'il y a dans ce passage trois mauvais exemples, un bon exemple relatif et une victime. Les trois mauvais exemples sont le Lévite, le beau-père du Lévite et les habitants de Gibéa. Le bon exemple relatif, c'est le vieillard originaire des monts d'Éphraïm. Et la victime, c'est la concubine du Lévite,
originaire de Bethléem. Nous lisons dans le livre des Juges au chapitre 19. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Un Lévite qui séjournait à l'extrémité des monts d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fut infidèle, puis elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son jeune serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint, et il resta 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent, ils y passèrent les nuits. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin, et le Lévite se disposait à partir, mais le père de la jeune femme dit à son gendre, « Restaure-toi avec un morceau de pain, vous partirez ensuite. » Ils s'assirent, mangèrent et burent tous deux ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari, « Décide-toi donc à passer la nuit et que ton cœur se réjouisse. » Le mari se levait pour s'en aller, mais sur les instances de son beau-père, il passa encore là une nuit. Le 5e jour, il se leva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune femme dit, « Restaure-toi, je te prie, et attardez-vous jusqu'au déclin du jour. » Et ils mangèrent tous deux. Le mari se levait pour s'en aller avec sa concubine et son jeune serviteur, mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit, « Voici que le jour baisse, il se fait tard, passez donc la nuit, le jour est sur son déclin. » Passez ici la nuit et que ton cœur se réjouisse. Demain, vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route et tu t'en iras dans ta tente. Le mari ne voulut point passer la nuit, il se leva et partit. Il arriva jusque devant Yébus, qui est Jérusalem, avec les 2 ânes battés et avec sa concubine. Lorsqu'ils furent près de Yébus, le jour avait beaucoup baissé. Le jeune serviteur dit alors à son maître, « Allons, faisons un détour jusqu'à cette ville des Yébusiens, nous y passerons la nuit. » Son maître lui répondit, « Nous ne ferons pas un détour jusqu'à une ville étrangère où il n'y a pas d'Israélites. Nous passerons la nuit à Gibéa. » Il dit encore à son jeune serviteur, « Allons, approchons-nous de l'un de ces endroits, Gibéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. » Ils continuèrent à marcher et le soleil se coucha quand ils furent près de Gibéa, qui appartient à Benjamin. Ils firent un détour jusque-là pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra et s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui les recueillit dans sa maison pour y passer la nuit. Et voici qu'un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était des monts d'Éphraïm. Il séjournait à Gibéa, tandis que les gens du lieu étaient benjaminites. Il leva les yeux et vit le voyageur sur la place de la ville. Le vieillard lui dit, « Où vas-tu et d'où viens-tu » Il lui répondit, « Nous passons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité des monts d'Éphraïm, d'où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda et je me rends à la maison de l'Éternel. Mais il n'y a personne qui me recueille dans sa demeure. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Nous n'avons besoin de rien. » Le vieillard dit, « Que la paix soit avec toi. Je me charge de tout ce qu'il te faut. Tu ne passeras pas la nuit sur la place. » Il les fit entrer dans sa maison et donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis mangèrent et burent. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici que des hommes de la ville, des vauriens, entourèrent la maison, frappèrent à coups répétés à la porte, et dirent au vieillard, maître de la maison, « Fais sortir l'homme qui est entré chez toi, pour que nous le connaissions !» Le maître de la maison sortit vers eux et leur dit, « Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous en prie, puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette turpitude. Voici ma fille vierge, ainsi que la concubine de cet homme, je l'ai fait sortir, faites-leur violence et agissez envers elle comme il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une telle turpitude. » Ces gens ne voulurent pas l'écouter. Alors l'homme saisit sa concubine et la leur amena dehors. Ils la connurent et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme s'en vint tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari, jusqu'à ce qu'il fît jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, « Lève-toi et allons-nous-en. » Mais il n'y eut point de réponse. Alors le mari la mit sur son âne et partit pour aller chez lui. Il entra dans sa maison, prit le couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent, « Jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les Israélites sont montés du pays d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. » On s'arrête ici pour la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce texte, même s'il est extrêmement difficile à lire et à entendre. Je te prie maintenant de faire une œuvre puissante en chacun de nous, par ton Saint-Esprit et par le moyen de ce texte. Et nous prions cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Chrétiens et non-chrétiens ici-bas ont tous un cœur tortueux qui a désespérément besoin d'être gouverné par Jésus-Christ. C'est cette humilité-là, c'est à cette humilité-là, à cette lucidité-là que ce passage veut nous conduire. Dieu veut détruire en nous tout sentiment de suffisance pour qu'on se tourne vers lui en confessant réellement notre besoin total de lui. Et Dieu veut rassurer peut-être ceux d'entre nous qui ont déjà honte d'eux-mêmes pour qu'on sache que dans la communauté des chrétiens, en fait, on est en bonne compagnie. On est en compagnie d'autres mendiants de la grâce,
dont le seul espoir est en Dieu. Alors regardons le texte. Mon plan, il n'est pas très compliqué. Ça commence mal, le malaise grandit, on bascule dans l'horreur et on touche le fond. Quatre parties. Premièrement, ça commence mal. Alors, l'histoire se passe pendant cette période particulière de l'histoire d'Israël où les Israélites, ils ont commencé à prendre possession de la terre promise conformément au projet de Dieu. Ils ont été délivrés de l'esclavage en Égypte. Ils ont erré pendant 40 ans dans le désert et enfin, ils commencent à déposséder les habitants du territoire de Canaan. Pourquoi ? Parce que ces peuples avaient des pratiques abominables et cruelles. Et donc les Israélites, ils s'installent progressivement dans ce territoire, mais pendant une certaine phase de leur histoire, ils vont cohabiter avec d'autres peuples qui n'ont pas encore été chassés, qui n'ont pas encore été dépossédés, mais qui ne croient pas du tout en l'Éternel, eux. Ce sont des peuples étrangers très différents d'Israël. Et le livre des Juges nous raconte notamment certaines des complications que cette cohabitation a entraînées. Notre histoire se passe donc dans ce contexte, et les trois premiers versets de notre passage, versets 1 à 3, sont très importants pour savoir comment interpréter l'ensemble de l'épisode. En fait, la toute première phrase est particulièrement importante. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Autrement dit, puisqu'il n'y avait point de roi en Israël, eh bien, on doit s'attendre à ce qu'il y ait une certaine forme d'anarchie qui existe en Israël à cette époque. Il va se passer des choses qui ne sont pas normales, qui ne sont pas correctes, parce que, en fait, chacun faisait ce qui lui semblait bon, comme il est expliqué dans d'autres passages du livre des Juges, un peu comme un refrain. Et donc, la première chose qui est dite juste après, dans le texte, toujours au premier verset, on doit nécessairement le comprendre, ce truc-là, à la lumière de ce contexte qui a été établi d'emblée. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, qui n'est pas normal ou correct, à l'époque où il n'y a pas de roi en Israël? Par exemple, un Lévite prend une femme de Bethléem comme concubine. Sous-entendu, c'est pas normal, c'est pas bien. Une concubine, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas une épouse, une concubine, mais c'est une servante qui, en plus de ses devoirs domestiques, va aussi avoir des relations conjugales avec l'homme de la maison. En fait, c'était assez courant dans l'Antiquité, mais ce n'était pas conforme à la loi de Moïse, qui disait que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Or, le Lévite, vous comprenez, c'est censé être un spécialiste du culte de l'Éternel. Le Lévite, il appartenait à une certaine tribu, la tribu de Lévi, qui était tout entière consacrée au service de Dieu. Et donc, il y a quelque chose qui cloche ici. Un Lévite qui prend une concubine, ce n'est pas normal. Dès le début de cette histoire, donc, ce monsieur Lévite n'est pas présenté comme un bon exemple. Et sa concubine alors? Ben, je crois qu'on est censé avoir de la compassion pour elle. Le texte dit qu'elle est infidèle au gars qui l'a prise pour concubine, mais c'est un peu ironique en fait. En lisant ce texte de notre point de vue moderne, disons que ce Lévite, il n'a pas respecté cette femme et il se l'est appropriée comme un objet de consommation, comme une fournisseuse de services domestiques et sexuels. Eh bien, il ne devrait pas s'étonner qu'elle se comporte comme ça, puisque c'est lui, finalement, qui le premier a piétiné la dignité de cette femme. Et ce qui se passe est vraiment pathétique au sens premier du terme, hein, c'est-à-dire touchant et triste, parce que le texte nous dit que cette femme va retourner chez son père, au verset 2. Ça veut dire qu'elle était vraiment dans la détresse, vraiment précaire et abandonnée. Elle a cherché la sécurité, mais ce n'était pas auprès de son pseudo-mari. Elle est retournée chez son papa. Elle est restée 4 mois là-bas, avant que son pseudo-mari ne vienne la voir avec l'intention de la ramener chez lui. 4 mois ! Ça révèle quelque chose sur le Lévite qui n'était pas pressé de la récupérer, en fait. Jusqu'à ce qu'il se dise que finalement, bah, il avait bien besoin de ses services, quand même. C'est tellement méprisant pour cette femme, n'est-ce pas ? Et je pense que d'emblée, dans l'histoire, on est censé avoir de la peine pour elle. Ce n'est pas pour justifier ou excuser son infidélité à elle, hein. C'est-à-dire qu'elle a vraiment eu une liaison avec quelqu'un d'autre, elle n'aurait pas dû, ce n'était pas bien. Mais c'est pour qu'on se dise qu'on a là une femme dont la vie qui était si précieuse et déjà tellement gâchée. Et pourquoi elle est si gâchée? Pourquoi elle est si gâchée? Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Parce que chacun faisait ce qui lui semblait bon. On est censé avoir de la peine pour cette femme. Comme on a de la peine pour Cendrillon dans la chanson du groupe de rock français Téléphone, sortie 2 ans après moi. Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc, elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part. Jolie petite histoire. Cendrillon, pour ses 30 ans, est la plus triste des mamans. Le prince charmant a foutu le camp avec la belle au bois dormant. Elle a vu 100 chevaux blancs loin d'elle emmener ses enfants. Elle commence à boire, à traîner dans les bars. Emmitouflée dans son cafard, maintenant elle fait le trottoir. Elle part. Jolie petite histoire. Elle traîne dans les bars, elle fait le trottoir, mais on a de la peine pour elle. On est triste, n'est-ce pas? On a de la compassion. On aimerait la prendre dans nos bras pour lui dire qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui ne la méprise pas. Quelqu'un qui voit en elle un être précieux et digne. Donc on a ces premiers versets et on est censé comprendre que ça commence mal. Le Lévite n'est pas un bon exemple. Et on est triste pour Cendrillon.
Et donc déjà, on peut tirer une première application de cette histoire, c'est que l'anarchie, c'est pas bon pour nous. Même le Lévite, avec son statut religieux et les connaissances qu'il est censé avoir, eh ben, il n'est pas suffisant pour faire les bons choix et pour mener sa vie d'une manière juste et bienfaisante pour les autres. Et même lui, même le Lévite, va errer et se laisser entraîner par les mauvaises dispositions de son cœur. Et dans un contexte d'anarchie où chacun fait ce qui lui semble bon, eh ben, il y a des victimes. Et les victimes, ce sont généralement les personnes les plus faibles et les plus vulnérables. On a besoin de se rendre compte de ça, nous aussi, aujourd'hui. On a besoin de se rendre compte qu'on a besoin d'être gouverné par une autorité qui soit parfaitement fiable et juste et sage, parce que les choses qui nous viennent naturellement, les choses qui procèdent naturellement de notre cœur, eh ben, ce ne sont pas des bonnes choses. Ni pour nous, ni pour les autres. Même si on est lévite. Même si on est membre de l'église Lyon-Gerland. Cette histoire commence mal. Parce qu'il n'y avait point de roi en Israël. Mais regardons la suite. Deuxièmement, le malaise grandit. Je ne vais pas vous refaire tous les détails de l'histoire dans les versets 4 à 21, mais en gros, ce qui se passe, c'est que le père de la concubine va insister pour que le lévite reste chez lui et qu'il mange et boive avec lui pendant plusieurs jours, de telle sorte qu'en fait, ça va retarder le retour du lévite chez lui avec la concubine. Et du coup, à cause de ce retard, ils vont devoir passer la nuit quelque part sur le chemin, ce qui n'était pas prévu. Ils décident intentionnellement de ne pas passer la nuit à Yébus, qui est l'ancien nom de la ville de Jérusalem, parce qu'à cette époque-là, la ville est encore occupée par des Cananéens, c'est-à-dire ces peuples étrangers qui font des choses horribles, qu'on appelle les Yébousiens, et du coup, ils vont vers une autre ville appelée Gibéa, occupée, elle, par des Benjaminites, c'est-à-dire des Israélites de la tribu de Benjamin. Mais en arrivant là-bas, il n'y a personne pour leur manifester de l'hospitalité, sauf un vieillard qui, lui, en fait, n'est pas de là-bas, mais qui est originaire d'Éphraïm. Et c'est donc lui qui va les accueillir pour la nuit. C'est comme si vous arriviez à Saint-Étienne et que les seules personnes sympas que vous y rencontriez, ce soit des Lyonnais. Ce qui est relativement plausible. Hein. Et si, je m'excuse auprès des Stéphanois, c'était une boutade, c'était de l'humour. Et je vous aime très fort. En tout cas, ce qu'on est surtout censé remarquer dans cette histoire, c'est le contraste très saisissant entre l'hospitalité débordante du père de la concubine et l'absence totale d'hospitalité des habitants de Gibéa. L'hospitalité, c'est quelque chose de bien, normalement, et c'est quelque chose de particulièrement important dans la culture du Proche-Orient ancien. Et en fait, c'est encore le cas aujourd'hui, dans beaucoup de ces pays du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. L'hospitalité, c'est super important. Donc l'auteur nous décrit un truc qui est vraiment pas terrible de la part des habitants de Gibéa, qui sont des Israélites. Qu'est-ce qui est pas terrible? C'est qu'ils sont inhospitaliers. Ils n'accueillent pas un des leurs, un autre Israélite. Et on se dit, si ça se trouve, le Lévite aurait été mieux accueilli en fait à Yébus par des Cananéens, des gens qui n'étaient pas Israélites. On ne sait pas. Mais à l'inverse donc de l'exemple ou du mauvais exemple des habitants de Gibéa, le père de la concubine, lui, il s'était montré hospitalier. Mais comment dire, un peu trop peut-être. Je ne sais pas vous, mais moi, en lisant cette histoire, ça m'a mis mal à l'aise de voir ce bonhomme qui retient le Lévite pendant 3 jours, nous dit le texte au verset 4, et ensuite qui insiste pour qu'il reste manger à midi le 4e jour, et ensuite pour qu'il reste aussi le soir du 4e jour, allez, tu peux rester la nuit, et ensuite il recommence le jour suivant, le 5e jour, rebelote, allez, tu vas rester manger à midi quand même. Finalement, il part dans l'après-midi. On dirait presque un conte de Grimm. Ça me fait penser à Hansel et Gretel, les deux enfants qui se font attirer dans une maison en pain d'épices par une vieille dame qui leur propose de manger un festin chez elle. Allez, vous resterez bien manger un peu, regardez ce que je vous ai préparé. Et en fait, on est mal à l'aise parce que la vieille dame, en réalité, c'est une sorcière. C'est une ogresse qui veut manger les enfants. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été dans ce type de situation où vous êtes chez quelqu'un qui vous accueille chez lui et vous aimeriez bien partir, mais la personne vous dit « Allez, tu vas bien rester manger un petit bout avant de partir quand même. De toute façon, il faudrait que tu t'arrêtes en route, alors autant manger ici avant de partir. » Et c'est super compliqué de dire non. Et finalement, vous restez manger et puis vous sortez de table à 17h et la personne vous dit « Ah bah tiens, il est 17h, c'est l'heure de l'apéro. Tu peux bien rester manger un petit bout, allez, en plus, comme ça, si tu pars après le repas, il y aura moins de monde sur la route, allez, tu peux rester. » Et c'est super dur de dire non. Enfin, moi, en tout cas, j'ai beaucoup de mal à dire non dans ce type de situation. Mais quoi qu'il en soit, le texte nous met mal à l'aise comme ça, en fait. Entre Bethléem et Gibéa, dans les deux cas, on est mal à l'aise. Il y a un sentiment de danger. C'est comme dans un film, on sent que la situation dérape, il y a une ambiance qui s'installe. Et tout le monde a l'air hostile, hein, entre le père de la concubine fêtard et chelou, un peu vulgaire, sûrement bien gras et à moitié saoul du matin au soir, et de l'autre côté, les habitants de Gibéa qui, eux, épient les voyageurs à travers une petite fente dans les rideaux de la fenêtre, ces voyageurs étrangers qui arrivent au crépuscule sur la place du village complètement désertée. L'auteur nous fait sentir cette ambiance délétère en Israël, en ce temps-là où il n'y avait point de roi.
Il y a quand même un bon exemple relatif à ce stade du récit, c'est le vieillard. C'est intéressant que l'auteur nous précise qu'il était vieux, ce bonhomme. En fait, la suite du récit nous apprendra que cette histoire se passe à l'époque où le petit-fils d'Aaron, le frère de Moïse, est souverain sacrificateur. Ça veut dire pas si longtemps que ça après l'époque d'Aaron et de Moïse, en fait. Hein. Ça veut dire qu'on n'est probablement pas très longtemps après la mort de Josué, le successeur de Moïse, et donc que ce vieillard, vu son grand âge, il a probablement connu la génération fidèle des Israélites qui sont entrés en terre promise initialement. L'auteur est donc peut-être en train de nous montrer le gap, ou l'intervalle, la fracture entre les premiers Israélites qui ont pris possession de la terre promise et les toutes premières générations qui ont suivi après la leur. On est à l'époque du petit-fils de quelqu'un qui a connu l'esclavage en Égypte. Et déjà, le peuple d'Israël est en train de glisser vers l'anarchie et le chaos. La foi n'a pas été transmise avec succès d'une génération à la suivante. Les jeunes n'ont pas suivi la voie de leurs parents et de leurs grands-parents. La présence d'un clergé et d'un lieu de culte et d'objets sacrés et d'un lignage direct avec Abraham et d'une histoire formidable de délivrance par l'Éternel par le moyen de signes et de prodiges et le témoignage des anciens concernant la manne dans le désert et l'eau du rocher et la colonne de feu qui les guidait dans le désert pendant 40 ans, tout ça, ça n'a pas suffi pour que la fidélité à l'Éternel perdure en Israël. Et aujourd'hui, on doit encore se rendre compte de ça. Toutes les conditions externes, matérielles, visibles, sociales et religieuses, notre lignage, notre héritage, notre éducation, notre accès à la Bible, notre participation à la vie de l'Église, et si on avait un super local, et si on avait le meilleur règlement intérieur du monde, tout ça, ça ne suffit pas et ça ne suffirait pas à nous préserver ou à préserver nos enfants de la déviance, de la chute et du naufrage. On ne doit pas s'auto-féliciter, on ne doit pas se reposer sur ses lauriers. On doit au contraire se rappeler perpétuellement combien on a besoin, combien on a désespérément besoin d'être gouverné par une volonté autre que celle de notre cœur. Une volonté extérieure à nous qui soit parfaitement fiable, juste et sage. Mais regardons la suite. Troisièmement, on bascule dans l'horreur. C'est vraiment ce qui se passe dans les versets 22 à 25. Certainement qu'à ce stade de la lecture tout à l'heure, vous étiez un peu mal, comme moi j'ai été mal toute la semaine en méditant sur ce texte. Mais si Dieu a voulu que ce passage figure dans la Bible, c'est parce qu'il veut qu'on le regarde en face. Il ne veut pas qu'on se dérobe à la réalité de ce qui est raconté ici. Cendrillon est livré à la sauvagerie d'une horde de vauriens, comme ils sont appelés au verset 22, qui vont la violer en réunion pendant toute la nuit. C'est d'une cruauté innommable et insupportable. Surtout que le texte souligne des éléments susceptibles de vraiment nous donner des cauchemars. Je me permets de les préciser parce que c'est intentionnel dans le texte. Au verset 22, ils frappèrent à coups répétés à la porte. Mais en hébreu, on a une tournure qui laisse plutôt penser que ces gens se jettent frénétiquement contre la porte comme des zombies qui n'ont aucune faculté cérébrale. Ces gars-là sont des sauvages qui sont contrôlés par leur appétit pervers. Ils sont comme possédés. Et le texte précise que ce qu'ils veulent, c'est même pas violer les femmes, mais violer l'homme, le lévite qui a été accueilli chez ce vieillard. Alors pardonnez-moi de faire quelques précisions par rapport à ça, mais pour l'auteur de ce texte, c'est très clair que si des hommes violent une femme, c'est abominable. Mais si des hommes violent un homme, c'est encore plus abominable. Et si des hommes violent un homme qui est un voyageur et qui fait l'objet de l'hospitalité d'une personne locale, alors on franchit encore un palier dans l'abomination. C'est pourquoi le vieillard refuse de livrer le lévite, il propose les femmes à la place. Mais moi, ce qui me tue dans cette histoire, c'est la réaction du lévite, justement. Et on y reviendra dans la dernière partie. Mais ici, en tout cas, le texte dit qu'il saisit sa concubine et la leur amena dehors. Ils la connurent et abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. On dirait que le lévite attrape un morceau de viande et qu'il le jette à une meute de loups. Il n'a pas plus d'égard pour cette femme que pour un vulgaire objet de consommation. Il la jette dehors pour se sauver lui-même. On va reparler du comportement de ce lévite, mais pour l'instant, il y a quelque chose qu'on doit absolument remarquer, c'est la similitude entre cette histoire et une autre histoire qui nous est racontée plus tôt dans la Bible, dans le livre de la Genèse, et curieusement, c'est aussi au chapitre 19. C'est l'histoire de Lot, le neveu d'Abraham, qui habitait près d'une ville appelée Sodome, et un jour, il a accueilli deux voyageurs chez lui, deux hommes, et les habitants de Sodome sont venus le soir entourer sa maison et exiger que Lot leur livre les deux voyageurs pour qu'ils puissent abuser d'eux sexuellement. Et il se passe à peu près la même chose ici. Et il se passe à peu près la même chose dans l'histoire de Lot qui leur dit « Non, prenez plutôt mes deux filles,
mais les habitants de Sodome ne veulent pas, et finalement, les deux voyageurs, on découvre qu'ils sont en réalité des anges, ils vont permettre à Lot et à ses deux filles de s'échapper avant que la ville de Sodome ne soit entièrement détruite par Dieu. Et donc, vous voyez, il y a une grande similitude entre ces deux histoires, même si elles ne se terminent pas de la même manière. Ce qui doit surtout nous frapper, c'est que dans la première histoire, celle de Sodome, les pervers qui veulent violer les voyageurs sont des païens, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas du tout de la lignée d'Abraham et qui n'ont aucune connaissance de l'Éternel. Dans la seconde histoire, celle de Gibéa qui nous intéressait ce matin, les pervers qui veulent violer le voyageur sont des Israélites, des gens de la lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et plus précisément de la tribu de Benjamin. Et on est censé être vraiment profondément secoué par cette réalité parce que ça veut dire que les Israélites sont capables des mêmes péchés que les païens. Sodome et Gibéa, même combat. C'est un message extrêmement important pour les Israélites et extrêmement important pour nous aussi aujourd'hui. Ça veut dire que les païens et les Israélites ont le même cœur, qui produit le même genre de mal. Certes, les Israélites ont été délivrés de l'esclavage en Égypte, et puis ils ont une relation d'alliance avec l'Éternel, le vrai Dieu. Ils ont la loi de Moïse, et le tabernacle, et les sacrifices, et les prêtres, et les promesses, et la circoncision, et les fêtes religieuses, mais ils sont quand même capables d'une telle turpitude, comme dit l'auteur de notre passage. Mes amis, nous aussi, selon notre état naturel, on est capable d'une telle turpitude, d'une telle ignominie. Jésus a dit, dans ce passage qui a été lu tout à l'heure, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtres, adultères, prostitution, vols, faux témoignages, blasphèmes. Alors est-ce que vous avez un cœur ? Voilà de quoi il est capable. Comprenez, on peut être païen et vaurien, on peut être israélite et vaurien. Et on peut être chrétien et vaurien. Rien de ce qui est extérieur ne garantit ce qui est à l'intérieur. L'apôtre Paul a même dit à des chrétiens de son époque, au 1er siècle, il dit, je cite, « On entend parler constamment d'inconduite parmi vous et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil. » Alors est-ce que nous aussi on est enflé d'orgueil en supposant que puisqu'on est baptisé, puisqu'on va à l'église, puisqu'on a reçu une bonne éducation, puisqu'on vit dans un pays développé et qu'on fréquente de bonnes personnes, eh ben, on appartient à une catégorie d'humains un peu supérieure aux autres quand même, non ? Et si on est enflé d'orgueil et qu'on se surestime comme ça, est-ce qu'on n'est pas en train de devenir insensible à ce qu'il y a vraiment de dégoûtant dans notre cœur ? Est-ce qu'on ne se serait pas même déjà habitué à excuser, à minimiser ou à dissimuler des choses dans notre vie, peut-être de véritables turpitudes, sous prétexte qu'on est des chrétiens ? Et on ne veut pas que ça se voit. Alors on va revenir à tout ça dans la conclusion, mais avant, regardons rapidement les derniers versets. Maintenant, à la fin de ce chapitre, on touche le fond. On touche le fond parce que le Lévite, ce spécialiste donc du culte de l'Éternel, va complètement nous écœurer. Sa concubine a trouvé les forces de se traîner jusqu'à la porte de la maison où elle s'effondre aux premières lueurs du matin. Mais le Lévite, il est où ? Il est en train de dormir tranquillement. Il sort de la maison plus tard et le texte nous dit qu'il sort pour continuer son chemin, verset 27. Autrement dit, la femme s'est effondrée, traumatisée, agonisante sur le pas de la porte vers 6 heures du matin, disons. Le Lévite, lui, s'est levé vers 7 heures, il a pris sa douche et son petit déjeuner, il a fait ses bagages, et il sort de la maison vers 8h30 pour rentrer chez lui. Il ouvre la porte et là, il voit sa concubine, les mains sur le seuil. « Allez, lève-toi, on y va !» Mais il n'y eut point de réponse, verset 28. Et ça, c'est un euphémisme pour dire qu'elle est morte, en fait. Et dans un sommeil infini, Cendrillon voit finir sa vie. Les lumières dansent dans l'ambulance et elle tue sa dernière chance. Tout ça n'a plus d'importance, elle part. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire pour cette pauvre, pauvre femme, digne et précieuse, et pourtant méprisée, rejetée, violentée, abusée, abandonnée, et qui rend son dernier soupir sur un paillasson, les mains tendues vers la porte derrière laquelle dort paisiblement son maître. Si vous trouvez ça horriblement triste, c'est bien. C'est pour nous toucher que l'auteur nous raconte tout ça. Oui, c'est atroce ce qui se passe. Oui, ce Lévite est un lâche et un monstre égoïste et insensible. Surtout qu'il ramasse sa concubine et au lieu de lui offrir une sépulture, il va la découper en 12 morceaux avec un couteau. On dirait un psychopathe en fait. Une des choses qui caractérise la psychopathie d'ailleurs, c'est l'absence totale d'empathie. Ce mec est horrible, mais justement à la fin de ce chapitre, on est censé être particulièrement choqué que même le gars qui est censé être un homme de foi,
un homme pieux, un professionnel de la religion de l'Éternel. Même lui, en fait, est un traître. Et on finit sur cette image du corps de la concubine découpé en 12 morceaux, des morceaux qui ont été envoyés un peu partout en Israël, nous dit le texte, et on peut supposer, bien sûr, qu'il y a un symbole dans cet acte, que le Lévite l'ait fait exprès ou non. Le symbole, c'est celui des 12 tribus d'Israël qui sont éclatées, qui se désagrègent, qui partent en déliquescence. En fait, à travers la turpitude des Benjaminites de Gibéa, c'est tout Israël qui est incriminé. C'est tout Israël qui est tombé aussi bas que les païens et qui s'autodétruit, comme on le verra même plus clairement dans la suite de l'histoire, les prochaines fois. La concubine représente Israël dans cette histoire. La concubine représente l'épouse de l'Éternel, c'est-à-dire son peuple bien-aimé, qui est à la fois coupable et victime. Et bien sûr, ce passage contribue à faire désirer au lecteur une issue à cette situation catastrophique et à cette spirale infernale, puisqu'on a un cœur capable du pire, et puisqu'on est en train de se tuer nous-mêmes à cause de ce que notre cœur produit, eh bien, d'où viendra la délivrance? Eh bien, comme dit l'apôtre Paul, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que plus de 1000 ans plus tard, un homme va naître à Bethléem, justement, dans la ville d'origine de cette concubine. Il va naître dans une grange, parce que justement, ce jour-là, les Judéens de Bethléem se montreront aussi inhospitaliers que les Benjaminites de Gibéa. Cet homme, c'est l'Éternel lui-même qui a pris la nature d'un humain pour s'approcher des humains et pour voler au secours de son épouse, c'est-à-dire au secours du peuple des croyants. Jésus. Jésus s'est présenté à la porte de la maison comme le Lévite, mais contrairement à lui, il n'a pas saisi l'épouse pour la livrer à ses ennemis. Il a fait l'inverse. Il a fait ce qu'on aurait aimé voir le Lévite faire, c'est-à-dire accepter d'être abusé et violenté et souillé pour qu'elle soit épargnée. Le Lévite a dit « Prenez ma femme et laissez-moi tranquille. » Mais Jésus a dit « Prenez-moi et laissez ma femme tranquille. » Et c'est ce qui s'est passé lorsque Jésus a été crucifié. Il a été maltraité, méprisé, humilié, trahi, abandonné, torturé et maudit pour que tous ceux qui se confient en lui puissent être pardonnés, puissent être déclarés justes par Dieu et réconciliés avec lui pour toujours. Que ce soit des Israélites ou des non-Israélites, que ce soit des Vauriens ou des professionnels de la religion, il n'y a pas de distinction, dit l'apôtre Paul. D'un côté, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et de l'autre côté, tous peuvent être gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Alors tout à l'heure, on va partager la Sainte Cène, c'est-à-dire qu'on va rompre le pain et boire de la coupe. C'est un rite institué par Jésus lui-même qui est censé nous rappeler que son corps, comme le pain, a été brisé en morceaux, pour ainsi dire, comme le corps de la concubine dans notre histoire. Sauf que le corps de Jésus a été donné par substitution. Il a été donné pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui soient sauvés. Le corps de Jésus a été brisé parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. À la fin de la chanson Cendrillon, le groupe téléphone pose cette question devant le constat d'un monde empreint d'injustice et de cruauté et de souffrance, et je cite « Notre Père qui est si vieux, as-tu vraiment fait de ton mieux ?» Et la réponse à cette question se trouve justement à la croix, où littéralement Dieu ne pouvait pas payer un plus grand prix pour la délivrance des croyants, pour la consolation de son peuple et pour le rétablissement du monde, puisqu'il s'est donné lui-même. Alors je vais terminer rapidement parce que j'ai été long. La question qu'on s'est posée au début, c'est est-ce qu'on a l'impression globalement que les gens à l'intérieur de l'Église sont des bonnes personnes, tandis que les gens de l'extérieur, les gens du monde, sont plutôt des mauvaises personnes, ou du moins pas aussi bonnes que nous. Et comme on l'a vu, toute la leçon de ce passage finalement, c'est qu'en fait, chrétiens et non-chrétiens, ici-bas, ont tous un cœur tortueux qui a désespérément besoin d'être gouverné par Jésus-Christ. On est tous pourris, si j'ose l'expression. Quelque chose en toi ne tourne pas rond, et en moi non plus, et c'est pareil pour tout le monde ici. Mais on peut aussi tous se réfugier en Jésus, on peut s'appuyer sur lui, on peut se reposer en lui. Quelques applications pratiques. Pour terminer, on essaiera d'aller un peu plus loin dans les groupes de maison cette semaine. Premièrement, on doit se rappeler que la communauté des chrétiens, ça reste une communauté de gens qui ont un cœur porté naturellement vers le mal. Et que ce n'est pas un glaçage rituel ou religieux qui va nous aider, si épais soit-il ce glaçage. Sous la surface d'une vie parfaitement étincelante de piété extérieure, se cachent parfois de lugubres secrets et d'obscures inclinations. J'ai utilisé des mots compliqués exprès pour souligner la gravité de ce que je dis. Je ne dis pas qu'il faut soupçonner le mal partout,
mais je dis qu'on doit être réaliste sur soi-même et sur les autres. On est tous pareils, on doit tous lutter ensemble en comptant sur Jésus, sur sa grâce inépuisable et sur son règne bienveillant qu'il veut déployer en nous par le Saint-Esprit à l'aide des moyens de grâce qu'il a institués lui-même pour notre bien, comme le culte, la Bible, la prière et la communion fraternelle. Deuxièmement, les violences sexuelles, ça existe dans le monde et ça existe dans l'Église. Ça existe à Sodome et ça existe à Guibéa. L'État français a mis en place des numéros qu'on peut appeler pour signaler des faits de violences sexuelles, notamment le 119 pour des violences sur des enfants et le 3919 pour les violences sur les femmes. Ce sont des numéros qui sont là pour les victimes ou pour les témoins et où on peut obtenir des conseils. Le Conseil national des évangéliques de France, le CNEF, auquel on est rattaché en tant qu'Église, a aussi mis en place un service d'écoute et de conseils spécifiquement conçu pour les victimes de violences sexuelles dans le cadre de l'Église. Ça s'appelle stop-abus.fr. Troisièmement, on doit être conscient de l'effet absolument diabolique et destructeur de la pornographie dans notre société. Notre texte aujourd'hui nous a montré qu'on n'a pas attendu le 21e siècle pour faire de la traite d'êtres humains destinée à la satisfaction des désirs de gens débridés, surtout des hommes. Ça, c'est exactement le business model de la pornographie. Et donc, il faut être clair là-dessus. Si l'histoire de cette femme dans notre texte ce matin vous a fendu le cœur, sachez que si vous regardez du porno ou si vous lisez du porno, même occasionnellement, eh bien vous êtes complice des habitants de Guibéa. Hommes ou femmes, arrêtez dès aujourd'hui et définitivement. Confessez ce péché à un frère ou à une sœur proche de vous, du même sexe que vous, et faites-vous aider et entourer pour gagner la victoire sur ce poison mortel pour votre âme, mortel pour votre corps, mortel pour vos relations et pour ainsi commencer à cheminer vers la guérison. Quatrièmement, arrêtons de faire semblant. L'inverse de l'arrogance spirituelle, c'est tout simplement l'authenticité. Tu es peut-être tourmenté par les désirs de ton cœur. Moi aussi, on peut peut-être en parler. En toute confiance, solidairement, charitablement. Par exemple, dans le cadre d'un groupe de croissance. La solution à la noirceur de notre cœur, c'est pas de remettre une couche de glaçage religieux, mais c'est au contraire de racler ce glaçage pour accueillir la lumière. Comme j'aimerais que notre Église soit une communauté de chrétiens où les gens qui ont le plus honte d'eux-mêmes puissent se sentir aimés et en sécurité parmi nous parce qu'ils sont entourés d'autres gens qui ont honte d'eux-mêmes et que tous ensemble, on supplie Jésus-Christ de nous venir en aide chaque jour. Enfin, dernièrement, il faut qu'on reçoive avec gratitude le règne de Jésus, justement. C'est lui le roi qu'il n'y avait pas en Israël, mais dont Israël avait tant besoin. C'est lui seul qui est fiable, juste et parfaitement sage. Lui saura nous gouverner pour notre bien. Lui saura prendre le pouvoir sur notre cœur et donner à notre cœur des inclinations nouvelles, des désirs nouveaux, et il saura nous transformer. Et il veut le faire. Il veut le faire par le moyen de sa parole, par la puissance de son esprit et en agissant notamment par le moyen de son Église. À tous ceux qui se sentent abattus et sales, qui ont conscience de leur indignité, mais qui s'attachent à Jésus par la foi. À tous ceux qui ont une peine infinie pour la concubine du Lévite parce qu'elle les renvoie à leur vie, à leur propre vie toute méprisée et abîmée, eh bien Dieu dit, comme s'il parlait à son épouse bien-aimée, il dit ceci, je termine avec cela, c'est tiré du prophète Ésaïe. « Sois sans crainte, car tu ne seras pas honteuse. Ne sois pas confuse, car tu ne seras pas déshonorée. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage, car celui qui t'a faite est ton époux. » L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme abandonnée, dont l'esprit est affligé. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Puisse-t-elle prendre racine dans notre cœur et porter du fruit dans notre vie pour ta gloire. Amen.